Décisive hein, sur le but de Coccaro. C'est bien joué ça. Dans l'ouverture, c'est pour Martinez qui s'enfuit, il s'envole. Martinez dans la surface, toujours au ballon, remet derrière Ibrahim. 3-1, inattendu et inespéré pour Montréal. On vous l'a dit, le prochain but pourrait être celui du bleu blanc noir parce que Miami s'est exposé. Et il y a la lucidité de l'attaquant devant le but. Le buteur se doit d'être lucide, mais pas seulement pour marquer par lui-même, pour marquer tout court. Joseph Martinez a su reconnaître qu'il n'avait pas le ballon parfait pour enchaîner avec la frappe. Qu'est-ce qu'il fait? Crochet. Et là, il perd un peu de momentum dans son action à lui. Il remet après un petit coup de tête. Il a eu le temps de lever le menton. À l'entrée de la surface, il remet ce ballon pour Soulousse Ibrahim. Plein du pied, sécurité, premier poteau. Jack Callender est battu 3-1 avec la déviation de Nico Fréré qui n'aide pas son gardien. Eh ben, c'est un extraordinaire début de saison, Vincent, qui se profile pour le CF Montréal. On,